Donc, je disais, donc Shabbat, on était là-bas et je n'ai pas pu donner Shiur. Alors, avec ma femme, on s'est auto-donné Shiur. On a parlé du vrai Torah. Il y a un livre qu'on m'a offert ici, Zachel et Tov, à l'époque. Monsieur Goldberg m'avait offert un livre en anglais, moi qui parle très bien anglais, et du rabbin Jonathan Zaks. Rabbi Jonathan Zaks. C'était le rabbin d'Angleterre. On l'appelle Lord Rabbi. Lord, pourquoi? Parce qu'il a été ennoblé par Sa Majesté, si je ne m'abuse. Et une histoire, l'année dernière, 72 ans, je pense. Un type formidable, un rabbin formidable. Formidable parce que orthodoxe, il a su allier la modernité avec l'orthodoxie. Il a su aller aux profondeurs des choses. Et c'était un conférencier hors pair. Et vous savez, vous connaissez les conférences sur Internet, TED, TED. Enfin, c'est des conférences un peu que les Non. goïms. En tout cas, il y a des conférences. Quand ils veulent faire un peu de moussard, les goïms, ils font des conférences comme ça. Je ne sais pas. Et il faut voir, grand orateur, il est docteur dans je ne sais pas quel. Ah bah, vous avez une longue vie, monsieur Zaguri. Vous savez pourquoi? De quel rabbin je parlais? Je pense à Ivry. De quel rabbin je parlais maintenant? Rabbi qui? En anglais, Lord Rabbi Rabbi Sachs. Zaks, voilà. Je leur disais que ce Shabbat, donc, je me suis prêté à la lecture anglaise et j'ai lu très beau Hiddouche. Je vais partager sur la paracha de Pinchas. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il a dit quelque chose de très beau. Est-ce que vous pouvez scinder l'écran, s'il vous plaît? Hein? Vous pouvez partager l'écran, Rami Malkiel? Alors, le problème étant que. Une Oui. question avant de. Il y a la porte externe et tout. Il y a Oui, on des. met le crochet. C'est Oui, comme c'est ça. vrai. Ça fait 3 ans et demi. Mais ne dites pas à tout le monde. Hein? Non, Monsieur Znati, je ne sais pas pourquoi. Aaron, ça s'est déconnecté de l'écran, voyez-vous? Donc, nous sommes avec Monsieur Abidine Zaguri, Rabbi Alex. Voilà. On souhaite aussi à nos habitués présents, Blabès, Harry qui est en vacances, et Maurice, il a passé une opération, une intervention chirurgicale aujourd'hui, je Oui, pense. Donc, pour sa Rifua Shlema, Rabbi Maurice, une Rifua Shlema complète. Et aussi pour Mazal Tov, elle s'appelle Mazal Tov. C'est ça, rappelez-moi, Rabbi Marco, c'est quoi le nom? Mathilde Mazal Tov? ouais, Mathilde. Ah, c'est pas ma... ah, je crois que Mazal Tov. Mazaton, je ne sais pas, c'est Mathilde. Mais Bon, ça c'est va grâce à qui est Dieu. Mazal Tov? Qui est que de Mazal Tov? Mazaton, bonne santé. Alors, Rabotai, alors, donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? C'est des parachutes, des chidouchim, des livrets Torah très succincts. D'accord? Il va pas. Mais il te donne une idée. Une idée. Et comment il l'amène? Je vous dis, c'est très. Je vous invite vraiment à acheter ce livre ou à le lire. D'accord? Moi qui ne lis pas l'anglais, je m'efforce. C'est un anglais très soutenu. Mais j'essaye et c'est très sympathique. Alors, c'est le parachat de cette semaine dans Pinchas. Et à la fin, il te donne la morale de tout. C'est-à-dire, à la fin, il te résume aussi. Et ça s'appelle le livre Judaïsme, Life-Changing Idea. Ça veut dire, il te donne des idées pour changer ta vie, pour avancer, pour pas rester au point mort, là. Il faut avancer. Et des idées, donc. Alors, la parachat de cette semaine, je vais vous dire ce qu'il a dit dans Pinchas. J'ai beaucoup aimé. Et lui, il amène habituellement des histoires au départ, mais des vraies histoires, pas des histoires à dormir debout. Okay, des histoires qui sont passées. Il va chercher dans une histoire moderne qui s'est passée dans l'époque, il va chercher une idée qui est en rapport avec la paracha de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans la paracha de cette semaine? Avant de commencer la paracha de cette semaine, bon, on va quand même parler de la paracha de cette semaine pour donner l'idée. Alors, paracha de Pinchas, celle qui s'en vient, Pinchas, il y a eu les filles de Tselophrade. Device already ready to connect. Mechila, à bouteille, ça sonne, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors, je disais, monsieur Znati, que ça s'est bloqué le système de l'écran. C'est-à-dire, nous, on vous voit. Les gens vous voient, mais la télévision ici, elle est connectée par un Facebook pour que ça marche. Et le Facebook, c'est Monsieur Minsotti qui l'a. Comment? Ok. Ok, alors il y avait des filles, on appelle les Bnot Tselofrad, les filles de Tselofrad, tu sais qui c'est ces filles. On allait rentrer en Eretz Israël. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Eretz Israël, on reçoit chacun une part. Chaque tribu reçoit une part et dans chaque tribu,
chaque membre de cette tribu reçoit une part et un patrimoine. Très bien, très clair. Sauf que c'est qui hérite? Ce sont les hommes qui héritent, les garçons qui héritent. Et donc, et puis après, la famille en profite. Très bien. Il y avait un homme qui n'avait pas de fils. Il s'appelait Xélophrade. Pas d'enfant, pas de garçon, cinq filles. Les filles viennent voir, et de la tribu de Ménaché, de Yosef. Ils viennent voir Moïse. Ils disent, regarde, papa est mort. C'est pas fair que nous, on rentre, on n'a pas de frère. Alors qu'on n'a pas de terre d'Israël, on ne reçoit pas de patrimoine. Il savait pas quoi lui répondre. Eh bien, il a dit, là, vous m'avez posé une colle. Vous m'avez posé une colle, sincèrement. Il l'a demandé à Kadosh Baruch Hu, et Dieu va lui dire, c'est magnifique ce qu'elle demande, parce que ben, elles ont l'amour du pays, l'amour de la terre d'Israël, avant même qu'on soit en Eretz Israël. Et c'est vrai que elles héritent, s'il n'y a pas de fils, eh ben, elles héritent la part de leur père. Et toutes les notions de patrimoine et les lois de patrimoine, d'héritage et patrimoine, d'où est-ce qu'on l'apprend? De la paracha de Pinhas. Il y a tout un traité dans Bava Batra qui développe tout ce sujet halakhiquement. Mais d'où est-ce qu'on apprend que c'est le frère qui hérite, s'il n'y a pas de si, etc., etc. Si y a père. En tout cas, la fille va hériter. Premier membre, après le garçon, ça va être la fille qui va hériter. Et cette fille, donc, et pourquoi elles ont eu ce mérite, là aussi, que toute cette paracha, cette notion va être dit grâce à elles, c'est parce que Chachamim vont dire qu'elles ont montré un attachement à la terre d'Israël et aussi une valorisation de la terre d'Israël. Et elles sont venues, elles étaient intelligentes, surtout à l'époque. Je ne sais pas, en tout cas en tant que femme, venir et dire on veut notre place et on ne partage pas, quoi. On veut notre. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que Chachamim vont nous dire, à contrario, les hommes, malheureusement, n'avaient pas cette même envie. Rappelez-vous des Méraglim, des explorateurs. Ils ont fait pleurer tout le peuple d'Israël pour pourquoi rentrer dans la terre d'Israël lorsqu'ils avaient envoyé des espions pour explorer. Ils ont dressé un tableau noir en disant c'est une terre où les gens meurent, etc., etc. Donc, eux, malheureusement, les hommes n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël pendant 40 ans d'errance dans le désert. Et les femmes ont montré un attachement, une envie. Et dire, regardez combien c'est important de valoriser les choses. Quand tu valorises la chose, eh ben, tu mériteras cette chose et surtout tu feras hériter à tes enfants ces valeurs, les valeurs de ces choses. Mais si tu ne valorises pas, eh ben, regardez, Rabotaï, il te dit comme ça. Je ne vais pas vous le lire en anglais parce que vous allez un peu, ça va vous faire trop rire et ça va être trop lent, trop long, mais il dit comme ça. Cette histoire s'est passée en 1955. 1955, et il te dit, il y a un homme. Il s'appelait Monsieur Ernest Onions. Il dit un nom bizarre, un nom spécial avec. C'était un homme aussi qui était atypique, très spécial. C'était un collectionneur. Vous savez, ils appellent ça en anglais holder. Holder, c'est quoi holder? C'est ceux qui gardent tout à la maison. Vous savez, il y a des gens qui ont ça. C'est tic de tout garder. Les gars, ça fait 40 ans, ils ont les assiettes, la ménagère. Non, non, laisse-la moi du mariage. Holder, 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 holder. holder. En tout cas, le type, il habitait dans l'est d'Angleterre. Et Order. il travaille. Alors, Rabotai, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, ce qui se passe, il travaillait dans ce qu'on appelle Pigs Wheel. Pigs Wheel, c'est quoi? Un truc de cochon. C'est un supplier de Pigs Wheel. Bon, ok. Il était très excentrique et son hobby, c'était de collectionner des peintures. Et il collectionnait tout genre de peintures qui avaient de l'intérêt, qui n'avaient pas d'intérêt. Où il y avait des brocantes, il allait acheter, où il y avait, vous voyez, tout et n'importe quoi, il allait se ramasser des. Et un jour, il est rentré quelque part, il dit que eh bien, sa maison était pleine, pleine d'articles et de bibelots et des choses, au point où les murs ne pouvaient plus contenir les tableaux. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il les entreposait comme ça, dans la cuisine, dans des. C'était un balaquin total. Et un moment, il avait plus de 500 tableaux chez lui à la maison, de tout et de rien. Ses enfants n'avaient pas du tout la même passion que lui dès qu'ils sont morts. Mais je vous invite vraiment à lire Blin et dire, vous savez quoi? Peut-être je prends celui qui a intéressé de lire bien l'histoire. Je lui enverrai une photo parce que c'est super bien raconté. Il t'amène dans une belle histoire. Bon, en tout cas, je vous la raconte rapidement. Une des peintures à Bataille, une des peintures qu'il a. Donc, dès qu'il est mort, ses enfants, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va savoir s'il y a de la valeur, s'il n'y a pas de la valeur. Ils ont appelé une maison qui s'appelle une maison de vente aux enchères qui s'appelle Sotheby's. Oui, Sotheby's, allons. oui, Donc il dit, oui. regardez ce que vous voulez.
Et ils ont pris. Et à un moment, il y avait un super expert qui s'appelait Sir Denis Mahon, il vécut de 1910 à 2011. Et il vous passe dans le catalogue, vous savez, quand Sotheby's ils vend des choses, donc d'abord ils cataloguent tout, et tu passes, et tu vas voir qu'est-ce que tu vas donner comme enchère, ci et ça. Tu fais tes petites idées avant de venir aux enchères. Et Rabotin, il écoutait ça. Et il voit à un moment un tableau. Un tableau que ce monsieur Onion, dont on a parlé, il a acheté à 12 pounds, 12 livres sterling. Il voit ce tableau, et ce tableau, il est le titre de ce tableau qu'ils ont mis, ils l'ont appelé The Sack of Carthage. Je crois le pillage de Carthage, un truc comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, en tout cas, qui a été peint par un artiste qui est assez connu, qui s'appelle Pietro Testa, du 17e siècle. Combien il était mis en vente? 15 000 pounds. Donc il achetait à 12 000, et lui, il voit ça, et lui, c'est un expert, il voit ça, il voit la petite photo, la toute petite photo du cadre, et il connaît, c'est un expert de tout ce qui est art, etc. Et il voit, il dit Mazal Tovo Hatan, hein, Mazal Tovo Hatan, Bimarco. Viens étudier, t'as dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci, Écoute ce Rabbi. Hidouche. Écoute ce Hidouche. Hatan, c'est un Hidouche de folie. Attends 2 minutes. Alors, Oui, écoute ça. j'écoute. Ah, super. Allez, tu as intérêt d'écouter devant le beau-père, qu'est-ce que tu crois? Alors, écoutez l'histoire. Donc, Dominique est pas là. le type, il voit cette photo. Il dit, il y a un truc qui ne va pas. Parce que, en tant que connaisseur, il voit, c'est quoi la photo? Qu'est-ce qu'il voit dans cette photo? Comme des gens qui sont en train d'incendier un immeuble, tous en train de crier comme ça, et en train de mettre le feu et de faire toute une révolte. C'est ce que le tableau était en train de. Ce qui était peint sur le tableau. Bon, il dit, mais ça n'a pas l'air d'être Sack of the Carthage. Pourquoi? Parce que normalement, il voit dans la photo, en tout petit, qu'un des hommes qui met le feu, vous savez comment, avec quoi il met le feu? Avec le candélabre. Le candélabre du Bétamigdash. Avec le candélabre, vous l'avez ici? Ah, avec le candélabre de. Et ça lui rappelle tout de suite le Bétamigdash. Il voit ça, il dit, mais c'est pas possible. Et il se souvient qu'il y a un grand artiste qui s'appelle Nicolas Poussin. Vous avez entendu parler de cet artiste? Eh, vous n'avez pas de cadre de lui, ça coûte des millions de dollars. Hein, Rabbi Marco, vous avez un Nicolas Poussin à la maison? Oh, peut-être un Poussin. Mais en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est Hidouche. Et il voit ça, il dit, il se connaît, comme il est un artiste, c'est un expert, il sait que ce Nicolas Poussin, il avait peint deux portées, tu sais, de la destruction du temple des Juifs. À Vienne, un il était mis à Vienne et un autre il a disparu de la civilisation. Il ne sait pas où est-ce qu'il a disparu. Il voit que c'est bien celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je dois l'acheter à tout prix parce que je sais que c'est celui-là. Il s'installe dans la, je vous la fais courte, s'installe dans la dans le l'auction, dans la salle dans la salle de vente, et les gens le connaissent, ils savent que c'est un expert. Les gens ils voient qu'il commence à mettre aux enchères dessus. Donc les gens ils disent, s'il met aux enchères dessus, nous aussi on va mettre, c'est sûr que ça doit être quelque chose de. Et vous savez à combien il va l'acheter en fin de compte? Parce que les gens, ils ont enchéri sur enchéri, 155 000 pounds, livres sterling. Il a été acheté, ça fait quelques années, à 12 pounds, vendu, ils l'ont proposé à le vendre à 15 000 pounds. Et combien maintenant il a acheté à 155 000? Quelques mois plus tard, à combien il le revend à Rabotaille? Il a acheté, il a expliqué exactement c'est qui l'auteur et plutôt le peintre. Il a mis la valeur sur le marché. Il a été vendu à 4,5 millions de livres sterling. 4,5 de millions. Les héritiers qui avaient ce cadre à la maison ne savaient pas ce que c'était, ne savaient pas quelle était la valeur. Ils l'ont vendu pour des clopinettes. Il a été revendu quelques mois plus tard à 4,5 millions de dollars à Bottaï. La folie. 4,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Tu vas me dire, c'est quoi cette histoire? Je te dis ici, il te mène le Rav Zaks dans ce livre. Oui, Rabbi, monsieur Mitzotif, Moi, monsieur. Oui. je crois que dans cette histoire, il y a une halakha quand même, parce que il l'a vendu, mais il ne connaissait pas le prix. C'est des goyim. Va dire Ah, ça si, à si. Sotheby's. C'est des goyim. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. Regardez. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Écoutez, Jean. Hidouche. Il leur a dit que la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, regardez, les enfants ne connaissaient pas la valeur, n'étaient même pas intéressés. Ils l'ont vendu à des clopinettes. Lui, il l'a revendu au prix parce qu'il connaissait la valeur.
Il dit, quand si tu veux que tes enfants héritent quelque chose, tu veux leur donner quelque chose, eh ben, tu dois sublimer les valeurs que tu vas leur transmettre. Et leur montrer combien c'est important pour toi. Ou sinon, ils ne vont pas hériter. Tu ne peux pas leur dire la Torah, c'est bien, les mitzvot, c'est bien, la tzedaka, c'est bien. C'est que des paroles, et toi, tu ne vis pas ces paroles. Et toi, tu ne fais pas. Il te dit, regarde ces filles, les filles de Tselophrad, dans la paracha de cette semaine, elles ont demandé de la terre d'Israël. Elles ont hérité de leur père cet amour, cette envie de rentrer en Eretz-Israël. Et bien, grâce à elles, toute la paracha des Nachalot, des héritages, va être inscrite dans la Torah grâce à elles. Et vont mériter d'avoir une part dans la terre d'Israël, parmi tout l'âme Israël. Et comme il te dit, il conclut, et je vous dis la phrase, je vais vous la lire. Je vais vous la lire comment il a dit ici en anglais, je termine avec ça, à Bataille. Il dit comme ça, très bien, je vous le dis donc en anglais, hein. Je vous la lis. Et il dit comme ça, à Bataille. Il dit, If we truly wish to hand on our legacy. Bon, monsieur, attendez, Chouma. Monsieur, lisez ça, s'il vous plaît, monsieur. If we truly wish to hand on our legacy, to hand on our legacy to our children, we must teach them to love it. Ouais. Abotai, tu aimes la chose, tu peux transmettre cette chose. Si tu n'aimes pas et tu n'as pas l'appréciation pour cette chose, tu ne pourras pas aimer et réellement transmettre cette chose. Voilà mon avis, Abotai. Alors, il y a monsieur Harouche qui veut rentrer, je crois, dans le chiour. Il n'arrive pas. Oui, Rabbi. Oui, monsieur Harouche. Harouche. On est en plein chiour. Il faut rentrer sur le lien que nous avons envoyé sur le groupe. Oui, c'est un nouveau lien. Regardez sur le dernier message. OK, c'est bon? OK, bravo. Razak. Alors, il te dit ce rave, et c'est beau parce que c'est le Emet, c'est comme ça. Si tu valorises pas la chose et tu dis que des paroles, c'est bien, il faut, mais tu ne montres pas vraiment que tu aimes, ça passe pas à travers. Le renseignement, c'est l'exemple. C'est l'exemple, exactement. Mais et une chose, tu peux pas être fake, tu peux pas faire fake. Toi, tu peux pas mentir. C'est quand tu aimes une chose, ouais. L'enfant ressent. L'enfant le ressent, va le vivre. Mais si tu fais-le à un moment, ça ne marche pas. Ça, c'est une chose. Alors voilà, moi, vers la bouteille, ça, c'était un rapport à la paracha de la semaine. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on y va, la Guémara. On va terminer aujourd'hui le sixième chapitre et on va entamer le septième chapitre. Alors, je n'ai pas avec moi la Maria. J'ai cherché, je crois qu'on l'a fini. Je crois que nous l'avons fini la dernière fois. Maria, hein? Ah, Mina Chamini, moi, je n'ai pas avancé parce que je viens de venir directement de. En tout cas, Mina Chamini. Alors, à Botin, on y va. On continue dans notre sixième chapitre. On parlait, donc, le dernier cours, un petit peu d'ingrédients et d'aliments et les bénéfices nutritifs de ces aliments ou pas. Alors, on continue sur cette idée. Kol Katan Matin. Nous avons vu que tout ce qui était petit, qui n'est pas arrivé à pleine croissance, eh ben c'est pas bon pour de consommer. Il faut arriver, faut qu'il soit déjà mûr. Et comme par exemple, la Guémara dit même si c'est un petit agneau qui vaut un zou, c'est-à-dire qui vaut cher, mais s'il n'est pas arrivé à sa croissance, il faut pas le manger, c'est pas bien. Et Chachamim vont nous demander dire tout ce dont on a dit, c'est quoi la croissance? Combien il faut attendre? C'est un mouton? Quoi, j'attends 5 ans? Il dit non, il faut qu'elle arrive au minimum au quart de sa taille optimale. Si elle est au quart de sa taille optimale, c'est déjà bien. Cette recherche là de ne pas consommer avant, c'est une question morale ou une question de... Pas non, là, c'est vraiment nutritif, physique. Okay. Physique. Ce n'est pas une notion de s'arrêter. C'est vrai qu'il y a cette idée que dans la Torah, on retrouve beaucoup de fois où, par exemple, les fruits, on va les planter, on pourra les cueillir que la quatrième année. Pendant 3 ans, on doit s'abstenir. Les manger, ça s'appelle la orla. Comme pour mettre un orla et un frein à cette passion, cette envie de consommer. Ouais. C'est vrai, mais là, c'est plutôt vraiment, on reste. Il y a aussi le fait que, regarde, il n'a pas encore eu le temps de dire ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, ça, c'est aussi une mitzvah dans la Torah. On doit attendre, par exemple, pour les corbanotes, on doit attendre minimum 8 jours pour pouvoir égorger. Tu laisses vivre cet animal, quoi. Tout à fait.
Kol nefesh, après nous avons étudié que la meilleure partie de la viande, Rachamim disait en tout cas, c'est que c'était où à l'endroit où on avait fait la shechita. L'endroit où on avait fait la shechita, on avait vu ça. Vous vous souvenez où on faisait la shechita, cet endroit où l'âme sortait. Oui. Et ben cet endroit, ok, ça nous avons étudié. Nous avons étudié aussi la notion du chou, que le chou rassasie. C'est un des légumes qui rassasie, parce que Rabbi Akiva nous avait dit que si quelqu'un mange un légume et il en a fait son repas, il peut faire Birkat Amazon dessus. La Gemara s'est interrogée, quel légume peut te rassasier? Réponse de la Gemara, le tronc du chou, le chou, c'est-à-dire mais pas des feuilles, ouais, peut te rassasier. Après, on a parlé de la patate, la pomme de terre, et M. Zenati nous avait envoyé toute l'étude de la pomme de terre, etc. Bon, ça, nous étions arrivés à cela. Maintenant, on avance. La Gemara va expliquer le passage. Quoi? Il y a un double... Beaucoup de choux. Non, les Juifs mangent des choux parce que ce sont des choux. Le chou, vous savez, en Alsace, ils font ça, ce que ça s'appelle la choucroute. Vous connaissez la choucroute? La choucroute, c'est les saucisses là, avec les... Ok. Ouh là là, bon, ok, alors on avance. Mais ça, c'est plus Ashkenaz. Ouais. Tu as une choucroute à un Marocain, il va te dire, je suis une chèvre ou quoi. Exactement. Mais c'est plus... Mais c'est bon, chacun son, ses cultures. Et alors, Gemara, elle va dire comme ça. On avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du poulio, de cette menthe, qui est très intéressante, cette menthe séchée là. On avait parlé à Flio. À Flio. Et puis après, on avait parlé d'une chose qu'il ne faut pas... La Michelin nous avait dit, malheur au ventre qui mange ça. C'était quoi cela? C'était les navets. Et la Gemara va dire, mais ah oui? Et on voit bien que Rava, pourtant, il disait à son serviteur, à son majordome, quand tu vois des navets au marché, ne me demande pas ce que je veux manger aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ne me demande pas? C'est-à-dire, tu sais que c'est ça que je veux manger. Ça veut dire, ne me dis pas que tu veux, achète-les et fais-les moi, c'est ça que j'aime. C'est mon plat favori. Donc, tu vois bien que ce n'est pas dangereux, sinon le rabbin ne lui aurait pas demandé de lui acheter ce genre de choses. Amar Abaye, mi Belibasa. La Braïta qui nous avait dit tout à l'heure que ce n'est pas bon, c'est cuit sans de la viande. Et si c'est cuit avec de la viande, apparemment, je ne sais pas exactement la réaction qui va se faire dans ce plat, va faire que ce n'est pas dangereux, ce n'est pas toxique. Et Rababar me dit Bliyaïn, si tu n'as pas bu du vin. Mais moi, je mange de la viande, je bois du vin, et donc tout ça, ça passe, il n'y a aucun problème. Bon, on avance sur la même idée. Itmar, Rav Amar Mibli Bassar, ou Shmuel Amar Mibli Aitin. Très bien. Rav nous dit que tout ce qu'on a dit que les navets, ce n'est pas bon, c'est sont mangés sans viande. Et Shmuel, il a dit qu'ils sont mangés sans bois. C'est quoi s'ils sont mangés sans bois? On peut manger du bois? Non. Le bois, c'est ce qui sert à cuire. C'est-à-dire, il faut cuire beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'ils sont bien cuits, là, tu peux le manger, ce n'est pas bon, c'est pas mauvais pour le corps. Bon. Et Rav Yochanan, même idée, il nous avait dit que le vin, il faut boire avec du vin. Amar les Rava les Rafapa. Rava dit à Rafapa. Soudani. C'est quoi Soudani? Non, pas Soudanais. Soudani, c'est brasseur de bière. Vous savez que Rafapa, il avait une usine de bière. C'était un brasseur de bière. Il faisait de la bonne bière. Il faudrait, si quelqu'un veut ouvrir une bière, qu'il l'appelle Rafapa. Bon, en tout cas. Alors, Rafapa, il faisait bon de la nom. Bière. Comment? Un bon nom. Oui, c'est pas la... Tu sais, dans la Inken, il y a écrit « since », etc. Là, si tu peux mettre « since Lagmar », 2000 ans. Donc, il faisait. Alors, il disait « Soudani ». C'est une manière de dire de manière affective, d'accord? Les Rami me disent qu'en fait, ce qu'il faisait, c'était un alcool de date. Une bière à base d'un alcool de date. Parce que la bière, ça vient du houblon, plutôt. C'est pas un bon de date. Je ne connais pas. Monsieur Benaïm, on peut faire de l'alcool à partir de la date? De quoi? De l'alcool à partir de la date. Hein, qu'est-ce que vous dites? Ça prendrait beaucoup de dates. Mais on fait bien à base de figues. Avec n'importe quoi. On fait mariage avec n'importe quoi, avec la figue, le raisin. J'ai compris. Il y en a même qui font même avec la pomme de terre. Les prisonniers faisaient avec la pomme de terre. Ouais. C'est vrai, moi j'étais au Maroc. Au Maroc, ils faisaient la maria là-bas, un juif qui faisait la maria artisanale, pseudo-industrielle. Vous savez, si je vous dis les. En tout cas, bon.
Alors, et pour Pessah, il m'a amené de la mariafu à base de fraises. À base de fraises et une à base de pommes de terre, je pense aussi, pour pas que ce soit Hametz. On l'avait amené à la maison. Et je ris parce que c'est très fort. C'est intense. Et moi, je ne peux pas vraiment boire ça. Et les Arabes qui venaient chez moi à la maison me suppliaient pour la mahia. Vous savez, ceux qui travaillent. Et je leur disais, haram, je ne veux pas te faire pécher, c'est péché chez vous. Il dit, là, des juifs, c'est mziana. Les juifs, c'est halal. C'est bon. Et je lui dis, c'est sûr. Il me dit, oui. Et vous savez ce qu'il me faisait? Je ris parce qu'il prenait une petite bouteille d'eau comme ça, vide. Il venait avec, hein, il avait déjà son idée. Il me demandait de lui mettre dans la bouteille d'eau. Parce que des fois, je lui donnais la bouteille, il me dit, là. Moi ici, en tout cas. Alors, l'Agma va nous dire que Rava a dit à Rav Papa, donc, de manière affectueuse, lui a dit Soudani, c'est-à-dire toi, brasseur de bière, Anan, Tavrinan, la, Bifsara, Hamra. Nous, on affaiblit les navets, c'est-à-dire le problème toxique pour avoir un navet, par de la viande et du vin. Atun, Delon, affiche les chouk, Hamra, Bema, Tavritula. Mais vous, qui buvez en général de la bière et que vous n'avez pas beaucoup de vin, avec quoi vous affaiblissez? Il dit non, on l'affaiblit avec le bois, c'est-à-dire on le cuit beaucoup, 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 au point où il va être vraiment très tendre, etc. Bon, qui a des BTO des Rav Papa, comme c'était l'habitude de la femme de Rav Papa, Batar dim vashla la tavra, la bitman a nous fait par siata. Après qu'elle a vécu les navets, eh ben, elle les affaiblissait avec 80 grosses bûches de bois. En deux mots, ça vaut plus la peine, c'est ça qu'on dit, elle sortait comme un navet. Ça vaut plus la peine d'acheter du navet s'il fallait brûler avec tellement de feu pour pas avoir de problème. Allez savoir quels navets on parle, Ouais. est-ce que c'était une plante qui était, est-ce que c'était un produit qui était peut-être avec. Vous savez, il y a des produits que s'ils ne sont pas cuits, ils ne sont pas bons pour la santé. Je crois qu'il y a des produits comme ça qu'il faut vraiment les cuire. Et dès qu'ils sont cuits, il y a un côté toxique qui part. Bon, on avance. Tanou Rabanan, nos sages nous ont enseigné Dag Katan Maliyah. Alors, c'est quoi Dag Katan Maliyah? Le petit poisson salé. Alors, les Ashkénazes, ils appellent ça le herring. Le herring. Parmi Mshoumémite, des fois il peut Le tuer. harangue, en français, le harangue. Ah, le hareng, le hareng. J'ai dit le herring. Ah oui, le hareng, vous avez raison. Avec ENG, pas ON. Ils ont dit pourquoi la mer est salée. Hein? C'est parce qu'il y a du hareng. Alors, le septième jour de la salaison, comment ça prenait? Ils prenaient les harengs, là, comme vous dites. Ils les mettaient en saumure. D'accord? Ils mettaient dans du sel, comme ça, pour. Et Rami disent que si tu le manges comme ça peut tuer quelqu'un. Fais attention. Trop salé, la concentration de sel. Beshiva, le septième jour de la salaison. C'est pas bon. Beshiva Asar, le 17e jour. Ou Be'isrim Beshiva est le 20e jour. Vamrela, et certains disent Be'isrim Bushlosha, le 23e jour. Je ne sais pas exactement pourquoi, quelle est la réaction chez Mick, ce que la Gemara a dit. On avance. Je n'ai pas d'explication donnée dessus. On avance. Velo Amaran et l'Abimitve, Velo Mitve. Et tout ce qu'on t'a enseigné, c'est dans le cas où il est grillé et pas grillé. C'est-à-dire qu'il est partiellement grillé. Aval Mitve, Shapir, Latnelamba. Mais s'il est bien grillé, il n'y a aucun problème. Comme des sardines ou des harengs bien. D'accord? Ou des lomitvé, chapir l'omaran et là de l'chata. Et tout ce qu'on t'a dit que s'il n'est pas complètement grillé, c'est pas bien de le manger, c'est si tu n'as pas pris avec de l'alcool. Mais si tu as pris de l'alcool, comme on dit, d'albocol, il te nettoie, il te brûle tout le problème. Aval chata batré la tlanba. Mais si tu as pris de la bière après, de l'alcool, il n'y a aucun problème. On avance, dernière partie de la Gemara. Nous avons étudié. Que a shoté Maïm les Timaon. Nous avons dit dans la Mishnah que celui qui boit de l'eau, lorsqu'il a soif, il fait la bénédiction de Chacon. Donc nous avons déduit que quoi? Que quand il n'a pas soif, pas de bracha. Il y avait un rave, c'était Rabbi Tarfon, qui disait qu'on faisait même la bracha non pas de Chacon, mais de Boré Nefashot. Boré Nefashot, nous, c'est la bracha que nous faisons aujourd'hui après la boisson, après. Mais lui, il faisait cette bracha avant de consommer. La Gemara dit. Qu'est-ce que ça veut dire si tu bois pour étancher ta soif? Quoi? Si ce n'est pas pour étancher ta soif, alors quoi? Amar Avidi Ibn Ravine, c'est pour exclure quoi? La fouke l'éman des hanke. Celui qui s'est étouffé avec un morceau de viande. Le gars, il s'est étouffé, il a besoin de l'eau, de l'eau. Des fois, tu dis, donne-moi de l'eau, je bois de l'eau. Donc, il boit de l'eau pourquoi? Pour faire passer la pilule, pas pour la soif. Pareil pour, comme j'ai dit, la pilule, quand il prend un médicament. Donc là, la halakha, elle est comme ça que vous le sachiez. On avance. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot Rabot, Vechetsonam.
Rabbi Tarfon disait, celui qui boit de l'eau doit prononcer la bracha de Boré Nefashot Rabot, celui qui crée de nombreux êtres vivants et leur manque. Leur manque, c'est leur nécessité. Vechesonan. Je te donne tout ce qui chasser les chas, je le donne. Tout ce que tu as besoin. Amar les Rava bar Rav Hanan Abaye, Rava bar Hanan Adi Abaye. Il y en a qui disent que c'est Rav Yosef. Il retamaï. Bon, c'est quoi la biracha? On fait shakol ou on fait Boré Nefashot avant de boire de l'eau? Et là, la chale est Amar les Pouk Haziman Amadavar. J'adore cette phrase. Sors et va voir comment les gens se conduisent. Des fois, tu veux avoir une halakha, tu ne connais pas. Va voir le Ham Israël comment ils ont l'habitude de faire. Et tu auras ta réponse. Et c'est quoi, comment le Ham Israël fait habituellement? Chez Hakon, Yabitva, Ro, c'est de cette manière que l'on fait. C'est comme ça qu'il nous dit. Et Rashi, on fait d'abord chez Hakon et après on fait Boré Nefashot. Adran alar ketzad mevachim. Adran alar ketzad mevachim. On va revenir vers toi, ketzad mevachim. On va revenir vers toi, ketzad mevachim. Alors, nous venons de terminer Mazal Tov, le sixième chapitre, qui était pas mal long dans beaucoup de technicité de l'alakhot que nous avons étudié. Et je vous lève le verre, je vous dis Mazal Tov, et que toutes les berachot de Ketzad Mevachin, parce qu'on a parlé de berachot et de bénédictions, bien sûr, sur les alimentations, on a parlé des bénédictions des parfums, des bénédictions de tout genre, et bien que les bénédictions, plutôt dans la générosité de Dieu, vous, se déversent sur vous, Bezrat Hashem. Et Hatzlacha. Alors voilà, on a M. Benaïm qui fait avec les Haïm, il a pris le vin. C'est bon, c'est tout comme. Bravo. Alors voilà, Mazel Tov et Siman Tov. Donc nous sommes à la page 45. 45, folio A. Et on commence aujourd'hui un chapitre. Alors je vous avais dit l'autre fois, je vois M. Alex, il me voit là de côté, on n'est pas encore arrivé dans le chapitre des rêves. Il ne faut pas rêver. Hein, on va d'abord faire le gros morceau. On a un septième chapitre qui est pas très. On va le découvrir petit à petit. Puis après, ça va être plus cool, plus agréable. Donc, il faut le savoir que dans le traité Brerachot, nous avons 9 chapitres. Et la dernière page, c'est 64. Folio A. Bref, 64. Nous sommes 45. Donc, vous faites votre calcul dans environ 20 d'apim bezat hachem. 19. Voilà, c'est à peu près. Et Adran Alar Ketzad Mevachin. Alors maintenant, on va commencer. Donc, on va parler de ce chapitre. Ouais, Shlosha Sheachlul. Ce chapitre s'appelle Shlosha Sheachlul. De quoi il parle? Zimoun. Du Zimoun. Bravo, Hak. Bravo. Le Zimoun. C'est quoi le Zimoun? Alors, qui sait ce que c'est le Zimoun? Nous, on le dit comme ça. Zimoun, Zimoun, Zimoun. C'est quoi Zimoun? Alors, Rabbi Alex, est-ce que parfois vous mangez chez votre gendre? Monsieur Sidney. Oui. Très bien. Donc, Shabbat, Monsieur Sidney, votre gendre, il y a vos petits-enfants. Avant le Birkat Amazon, qui propose de faire le Zimoun. C'est quoi ce Zimoun? On dit Rabotai Nevarer. Et tout le monde répond Yehishem Adonai Mevorach Matavadolam, Nevarer Shachan Michelo, Baruch Shachan Michelo, tu vois que dans ta Michelo, et là, on entame le Birkat Amazon. Qu'est-ce que c'est? Le Zimoun, comme son nom l'indique, c'est une invitation à bénir Dieu. On ne rentre pas dans le sujet de la louange de Dieu de but en blanc. Il y a un protocole. Par honneur et par respect et gloire d'Akadosh Baruch Hu, on s'invite lorsqu'on a mangé ensemble, on va le voir, on va l'apprendre dans ce chapitre. Il le fait toujours. Très bien. Lorsqu'on va voir, lorsqu'il y a minimum 3 personnes, on va faire le Zimoun. Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, dans le Chelek Bet du Mishnah Berurah, c'est tout un grand chapitre, toutes les lois du Zimoun. Ce n'est pas un petit chapitre. Et tout ça, ça provient de ce septième chapitre, le Tribrachot. Il y a plein de choses et de détails halachiques. Alors, et vous allez voir, on va l'étudier. Tu vas dire, mais moi, je ne fais pas ça, ou je fais ça, ou maintenant, je comprends pourquoi on dit de cette manière. Il y a plein de choses qu'on va comprendre maintenant suite à l'étude approfondie de la source de cette halacha. Alors, c'est quoi cette halacha? C'est on invite lorsqu'on a mangé ensemble. Et c'est quoi ensemble? On va le voir, la première Mishnah va nous l'expliquer. On parle de 3 personnes qui ont consommé ensemble du pain. Donc on a consommé ensemble. Pas de moi là et toi là-bas dans l'autre étage, etc. Ensemble. Alors nous avons fixé un repas ensemble de pain. Eh bien, lorsqu'on doit faire Birkat Amazon. Mais ce n'est pas suffisant de faire Birkat Amazon. C'est qu'il faut s'inviter à faire Birkat Amazon. Et on désigne un des 3 au minimum. Lorsque nous sommes 3, de faire ce qu'on appelle le Zimoun. Et qu'est-ce qu'il fait dans le Zimoun? Il dit Rabotai Nevarer. Mes chers amis, faisons la bénédiction. Exactement. Et il te dit bravo, Rabotai Nevarer.
Et lui, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Nevarer Shachanu Michelo. Et nous, on va répondre, oui, bénissons Shachanu Michelo de celui que nous avons mangé, celui qu'il nous a donné. Et lui, il répond, Baruch Shachanu Michelo, source de bénédiction, tu es toi, on a mangé de toi. Tu vois, Gadol Tamitraenu, et qui nous, avec sa grande bonté, nous a toujours donné la subsistance. Très bien. Et là, on commence le Birkat Hamazon. Donc, on va voir déjà même les Ashkenazes, ils le disent d'une autre manière. Ils disent même en Yiddish au départ, Abotai Mirvele Benchen. Mais après, c'est le même. Après, ils disent Nevarer Shachanum, c'est la même chose. On va voir que pour lorsqu'il y a un Hatan et Kala, on va rajouter quelque chose. On va voir que même parfois, on dit Bichut, Malka et la Kesha, avec la permission de Dieu. Et on dit aussi lorsqu'on invite chez des gens, par respect, par politesse, on dit Birchut, le balabaït, avec la permission de Lot, permission de la maîtresse de maison, avec la permission de la belle-mère, chacun selon ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, d'accord? Et après, tu invites, et après, tu invites le monde qui est devant toi, autour de toi, à faire la Birchat Hamazon. C'est ça, le Zimoun. Et apparemment, on va voir que... Alors, C'est une bonne chose parce que finalement il pourrait faire la Birkat Hamazon tout seul, mais le fait d'inviter les gens à pousser les gens à faire à remercier le ciel de ce qu'il nous a donné. Exactement. Ça donne plus de force. Bravo. Il l'a fait tout seul, c'est pas la même chose. Il peut la faire tout seul. Oui, mais dans les mots, ça parce qu'il y a trois. Les mots que dit M. Zenati, c'est intéressant parce que dans quelques minutes, on va voir la Gemara. Elle amène un verset de la Torah qui rappelle cette institution, qui est une source à cette institution. Est-ce que c'est une institution rabbinique et que c'est juste une source allusive ou c'est vraiment quelque chose qui a une source qui est vraiment... Alors, c'est une question dans les décisionnaires, dans les Rishonim, mais on va voir qu'il y a des versets. Et un des versets qu'on va ramener, c'est où Moshe va dire « Gadelou l'Hashem iti » On remet ma Shemoy Ardav. On va le voir ce pasouk. Ou plutôt le pasouk de. Excusez-moi, ça c'est dans le Tehilim. Mais le pasouk qui chia Madonna Ekra, à vous Godel et Elohenu. Je vais appeler Dieu, je vais faire la gloire de Dieu, venez avec moi et le faire avec moi. Donc donnons de la force à cette déclaration. Et c'est ça quand il est en grande pompe. Plus tu es du monde. Et vous allez voir que plus on va être du monde, à 10 personnes, si nous sommes 10, on rajoute déjà le nom de Dieu dans sa Zimoun. Nevarech Elokeinu Shachanu Michelo. Avant ça, on ne dit pas Elokeinu. Et on va voir que si nous sommes 100, on fait un autre. Et si nous sommes 1000, et il y a un autre. Et si 10 000, il y a un autre. Si il y a 100, on verra. Bon, bon, rabotage. Je ne sais pas quelle salle fait. J'ai jamais mangé avec 10 000. Mais... Vous avez mangé avec 10 000 personnes, vous? Non? Qui a mangé les... C'est combien le maximum que vous pouvez manger? Il y en a qui l'ont fait à Oman. Ah, bravo. À Oman, il y a... Oman. Mais dans une salle, 10 000? Une salle, non, mais on a entendu des prières. Moi, j'y étais pas, mais on m'a raconté qu'il avait jusqu'à 15 000 personnes au même endroit en train de faire. Vous savez où c'est possible? Vous savez où ce serait possible? Méron, ça serait ou peut-être à Méron, bravo, ou même dans les matchs, Maccabi Tel Aviv, etc. Là-bas, c'est juste des Juifs. Il y a eu Zimoun, avec tous les sandwichs, les popcorn, vraiment. Il y a eu le rassemblement de toutes les Yeshivas. Mais bon, je ne sais pas si Maccabi Tel Aviv sont très, très Zimoun ou. En tout cas, chacun son. Hein? Non, mais aux États-Unis, ils ont organisé. Il y avait un moment chambouré de. Aussi ou ma chasse. Mais bon, ils ne mangent pas sandwich. Et du pain, mais aussi au Machas, lorsqu'on termine les cultures et tout le Talmud. Aussi au Machas. 20 000, 25 000, 30 000, je ne sais plus combien ils étaient là-bas. 50 000 personnes dans un même stade. C'est très beau de voir ça. Bon, en tout cas, Rabotai. Donc, oui. Est-ce que quand vous ne pouvez pas manger avec des gens, vous venez vous asseoir avec eux? Vous n'avez pas le droit. Non, il n'y a pas. Par contre, on va voir si tu as quand même consommé quelque chose dans le repas, autour du repas. On va voir plus tard, à la Khanemasi, quelles sont les choses qui m'associent à ce repas. Parce que moi, j'ai parlé de pain, ça c'est la base. Mais on verra que même s'il y a deux personnes qui ont mangé du pain, et il y en a un qui a mangé du maisonnote ou qui a mangé autre chose, on va voir lesquelles choses. Eh bien, il peut rentrer dans ce Zimoun. Il peut rentrer dans ce Zimoun. Dans ce Zimoun. Alors, on y va. Maintenant, la Mishnah est très intéressante, cette Mishnah. Parce que
En parlant de Zimoun, donc Zimoun, c'est une préparation et une invitation au Birkat Hamazon. Oui. Quand on dit, c'est vrai, quand il y a un panim chadashot, pour inviter quelqu'un de. Ouais. Est-ce que cette personne, elle doit avoir consommé, elle doit avoir mangé? C'est une bonne chéla. Si je ne m'abuse, oui. Si je ne m'abuse, oui. Pour quelle raison? Mais c'est pas obligatoire. C'est bien, mais c'est pas obligatoire. C'est bien, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est bien. C'est bien. Pour quelle raison? Parce que j'ai vu dernièrement. Parce que bon, Panim Khadashot, c'est quoi? Alors j'explique. C'est que lorsqu'on fait les Sheva Berachot, vous savez, les soirées avec les. Il faut qu'il y ait une personne qui n'était pas là au mariage. Pourquoi? Un visage, un nouveau visage. Pas qu'il s'est rasé, il s'est fait tout beau. Un nouveau visage, pour quelle raison? Parce qu'il faut qu'il y ait un apport supplémentaire de joie. Comme quelqu'un qui est venu te réjouir. Mais celui-là, je t'ai déjà vu, ça fait. Ouais. Bon, surtout, c'est pas comme vous savez dans les Sheva Brachot, quand vous êtes invité de la famille proche, c'est toujours le même. Ouais. Il y a des parents, beaux-parents, grands-parents, des trucs, et on dirait que tu fais replay 7 jours. Ouais. Et la vérité, en tant que. C'est fatigant. Les Sheva Brachot, c'est dur. Il faut une bonne diététiste. Ah, et après, tout ce que tu manges, chacun qui t'a invité, il t'a fait la. En tout cas, maintenant, on va voir dans cette Mishnah aussi quelque chose de très intéressant. Non, moi, j'ai posé la question parce que mon frère a reçu un rabbin à la maison et ils ont soupé. Puis mon frère m'a dit, tu sais, j'ai mon frère qui est venu d'Israël, il soupe chez moi, viens, pourquoi tu ne viens pas le voir? J'ai dit, ok. Quand je suis arrivé, ils étaient à la fin du repas, ils étaient à Birkat Hamazon. Et mon beau-frère m'a tendu un livre et lui... Ça lui a vraiment déplu. Il l'a retiré, il a dit non, il n'a pas mangé avec nous, il n'a pas le faire. Exactement, bravo. Et là, c'est la halakha. C'est la halakha. Ouais, mais moi, ça m'avait. Ouais, surpris. Choqué. Non, mais parce que, mais Birkat Hamazon, sur quoi vous allez faire? Sur quoi vous allez faire? Sur quoi vous allez faire Birkat Hamazon? Oui, d'accord. Ouais, Birkat Hamazon, c'est sur quelque chose que vous avez mangé. Ah, ça, la manière ou la façon, ça je ne prends pas de garantie. Oui, dites-moi, je ne suis pas service après-vente de tous ceux qui s'appellent rabbin. Ok, Rabotai. Oui, c'est docteur Abenaïm qui m'appelle. Ça dit que parce qu'il me demandait pour le. Ma fille Michila, Bichaim. Baruch Hashem mieux. Baruch Hashem mieux. Est-ce que je peux t'appeler après le Shion? Je suis en plein Shion. Ok. Allez, Todarava. Bye. Biyakov, vous voyez, si ce n'est pas avec le père, c'est avec le fils. Il est gentil, il m'a appelé hier pour me demander pour la fille, me donner des conseils, docteur Abenaïm. Ok, alors on va voir ici aussi dans la Mishnah qu'il y a des choses qui sont consommées, mais ils ne sont pas, comment on va dire, ils ne sont pas glat kasher. Glat kasher, c'est-à-dire que ce n'est pas le top. Tu les as mangés, tu n'as pas vraiment fait d'interdit, et donc ça te permet de faire la Birkat Hamazon dessus, ça te permet de te joindre aux Zimoun. Mais il y a des choses que les manger, c'est interdit par la Torah. Et tu ne peux pas venir faire une beracha dessus. Et on ne peut pas t'inviter à faire le zimoun aussi. Et tu ne peux pas t'associer au zimoun. On verra beaucoup de choses. Alors cette Mishnah, je ne vais pas tout développer, je vais traduire. Parce que toute la Gemara, elle est là pour développer chacune des choses. Sinon, on va se répéter. Mais je vais quand même expliquer succinctement de ce dont je veux dire. Tout de suite, on va le lire, on va comprendre ça. Par exemple, quelqu'un va manger du cochon. Je donne un exemple. Rien à voir. Mais est-ce que quelqu'un va faire du shéakol sur un cochon ou va manger un steak pas kasher? Il va faire shéakol sur le steak pas kasher? Hazé shalom. C'est une question, par contre, si quelqu'un est malade et qu'il doit manger cet aliment et qu'il n'a pas le choix, parce qu'il doit le manger, est-ce qu'il doit faire la beracha ou pas faire de beracha dessus? Parce que maintenant que pour lui c'est permis, doit-il faire une beracha ou pas? Vous voyez la question? Donc c'est ça. Et je vais vous poser juste une autre, maintenant que ça me vient, j'ai dit j'allais vous poser cette question. Ne me demandez pas la réponse ce soir, mais juste je vous donne la question. Parce que tout à l'heure, on a parlé au début du cours des peintures. Vous vous souvenez, on a parlé des peintures. Question. Et je vais réfléchir, ok? Vous savez que selon la halakha, si je vous ai endommagé, quoi que ce soit, je vous ai brisé un article à vous, un bien à vous, je dois le payer. Tu me payes la valeur de ce bien. Super. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte financière. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a deux tableaux, je ne sais pas, Monet, Picasso, Van Gogh. C'est dans le trunk. Non, pas dans le trunk. Il y en a deux, ok? Deux les mêmes. Un, et disons que, voilà, Rabbi Daniel Zaguri, il a les deux, ils trônent là-bas, dans son salon, il est tellement fier,
Chacun qui rentre, il montre, regardez, ça c'est les deux monnaies. Nanana. Chacun du valeur, lui vaut, il n'y en a que deux, lui vaut 1 million et lui vaut 1 autre million. Magnifique. Moi je viens avec un briquet, c'est pour Rim, on va dire. Je prends mon briquet. Rabbi Marco, si vous me donnez la réponse à cette question, vous êtes très fort. Je prends mon briquet. Alors deux monnaies, deux tableaux. Un il vaut 1 million de dollars, l'autre il vaut 2 millions de dollars. Je rentre, je prends le briquet. Et je vois, comment il s'appelle, c'est Monet qui a fait les pailles. Et je brûle. Je dis, ah, la paille, ça brûle. Et je le brûle. Il me passe en feu. À beauté, il reste quoi? Il reste un seul Monet dans le monde. Ce Monet, maintenant, vaut plus 1 million de dollars, il vaut 2,5 millions de dollars. Ou vaut 2 millions de dollars. Daniel Zaguri vient me voir et me dit, je t'aime bien, mais tu me payes mon 1 million de dollars que tu viens de me brûler. Je veux dire, mais de quoi tu parles? De quelle perte financière? 1 million de dollars? Voilà, ton 1 million de dollars, il est là ici, parce que de deux, je t'en ai rendu qu'un, il n'y en a qu'un seul, sa valeur sur le marché est montée de 1 million de dollars. Est-ce que je dois lui payer ou je ne dois pas lui payer sur le moins 1 million de dollars? Ou étant donné que c'est là, c'est une valeur. Ajoutée. Oui, c'est vrai. Ajoutée. Le deuxième article, alors est-ce que, mais d'un côté, est-ce que ça veut dire que je lui ai fait perdre de l'argent ou non? Question. Non, parce que là, il y a une assurance sur moi, on ne pourrait pas un tableau pareil. Non, l'assurance. Quoi? Pour un tableau pareil, il a sûrement dû l'assurer. Ouais, non, je ne parlais pas de ce gars. Monsieur Benet, il me dit, mais il a l'assurance. Il va prendre 2 mois une assurance. Non, mais je parle, disons qu'il n'y a pas d'assurance. Mais l'idée est de savoir comment on jauge et on évalue une perte financière. Voilà, on avance. Et Michel nous dit comme ça. Shlosha she'achlu ki'achat. On commence. Trois hommes qui ont mangé du pain ensemble, Hayavim les amène. Ils ont l'obligation de faire le zimoun. On va voir que, je vous le dis, c'est la racha. Imaginez-vous, voilà, nous sommes trois ici, on mange du pain, et moi je dois partir, j'ai un rendez-vous ou quelque chose. Je n'ai pas le droit de partir sans le zimoun. Alors, oui, mais je fais un birkat. Ok, guys, je fais le zimoun, vous pouvez continuer de manger. Moi, je fais zimoun, birkat. Je n'ai pas le droit de dissocier ou de briser une chaîne de zimoun. 600 mois après, il ne va pas y avoir ce zimoun. On va le voir. Hayavim les amène. Achal demaï. Mais si quelqu'un a mangé du pain provenant du demaï, c'est quoi demaï? Demaï, on va voir. On va voir ce que c'est le demaï. Mon sang. Comment? C'est-à-dire de mon sang? Non, non. Demaï. On le dit. Non, demaï, c'est une contraction en fait. Demaï. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous la fais courte. Après, on va la développer. Après, dans la Gemara. Mais je la fais courte. Vous savez que selon la Torah, j'ai engrangé mes céréales et ils sont là. Je parle des céréales d'Israël, hein, pas d'Ukraine ou d'autre part. Je parle des céréales d'Eretz Israël. Je les ai engrangées, ils sont ici. Je veux les amener à la maison. Je dois faire quoi? La terouma, le prélèvement au Cohen. Je dois faire deuxième prélèvement de la dîme, 1/10. Donc, je vous donne un exemple. Sur une tonne, 1000 kilos, je dois donner 1/50 au Cohen. 1 sur 50, c'est combien, Rabotai, de kilos? C'est 20 kilos. 200. Okay. Non, c'est 20 kilos. 20 kilos, alors, c'est 20 kilos. 20 kilos. Et si je dois donner le maaser, la dîme, donc c'est 100 kilos. OK. On va voir, c'est 90. On va voir parce que tu enlèves. Bon, c'est 9,8. C'est 98 parce que j'ai déjà enlevé des kilos. Et puis après, si ça dépend, il y a un cycle de 7 années. La jachère, la 7e année, on jachère. Et chaque 7 ans, il y a un cycle. Première, deuxième année, on donne le maaser au Lévi, la dîme au Lévi. Et on le donne aux pauvres. Et après, on reprend le cycle. 4, 5 au Lévi, 6e année aux pauvres. 7e année, on ne fait rien. Parce qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Puis après, qu'est-ce qui se passe? La quatrième année, par exemple, on doit prendre aussi une dîme et l'amener à Jérusalem et le manger. Et si tu ne peux pas manger, tu as 10 tonnes de pommes, qu'est-ce que tu vas amener 10 pommes de pommes, tu vas devenir une pomme. Il va tomber dans les pommes, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tu prends cet argent, tu prends ces pommes, tu vas transférer la kedusha, la sainteté, dans de l'argent. Cet argent, tu vas aller acheter des corbanotes, tu vas inviter toute la familia et tous les gens à manger avec toi les sacrifices. Bon, en tout cas. Maintenant, je reviens à la base. J'ai engrangé, j'ai de la farine, je n'ai pas fait la terouma, je n'ai pas fait les prélèvements qu'il fallait. Terouma, c'est prélèvement au Cohen. Maaser, la dîme au Lévi. Tant que je n'ai pas fait la terouma, je n'ai pas le droit de consommer cela. Et celui qui consomme ça, alors allez-nous, c'est très grave de consommer quelque chose qui n'a pas eu ce qu'on appelle la terouma et le maaser.
Aujourd'hui, nous, ça ne nous touche pas tellement. Ici, à part, on fait pour la challah. Lorsqu'on fait la challah, on prend un morceau de la challah. Mais en dehors d'Israël, il n'y a pas cette mitzvah de maaser et de terouma. C'est en Israël. En Israël, il y a vraiment ce problème. C'est pourquoi tu ne peux pas aller au souk, au souk Mahane Yehuda. Tu dis, je veux, passe-moi s'il te plaît quelques légumes. Si tu ne vois pas, tu vas me dire, mais c'est des fruits, c'est des légumes. Qu'est-ce qu'il peut avoir cachère, pas cachère? Non, il faut une théouda là-bas aussi. Pourquoi tu certification à quoi? Qu'ils ont bien fait la terouma et le maaser. Ce n'est pas une certification, est-ce qu'il est cachère le poivron? Et le poivron, qu'est-ce que tu veux? Les raisins, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient? Ils aient des écailles et des nageoires? Cela aussi, non. Mais est-ce que simplement on a fait la terouma et le maaser? Ça, il faut le savoir. En Israël, c'est vraiment d'alakha. Par exemple, vous recevez à Costco, je ne sais pas si vous avez ici, mais en France, on avait ce problème. On avait beaucoup d'avocats qui venaient d'Israël. Il n'y a pas de lien à faire entre terouma et maaser et Beth Amikdash? Oui, c'est qu'aujourd'hui, la terouma et maaser, elle est que rabbinique. Elle n'est pas toraïque. Mm-hmm. Bravo. Il faut savoir que tant qu'il y a, comme le Beth Amikdash n'est plus là, alors il n'est pas toraïque. Mais par exemple, vous avez... ouais. Très problématique. Et en Israël aussi, en Israël, excusez-moi, en Israël, quand tu vas au souk, il y a des qui te disent cet magasin respecte la Shemitah. Exactement, oui. Bravo. Il y en a qui l'ont pas, il y en a qui l'ont. Exactement. Maintenant, si c'est des fruits qui ont été achetés à des Arabes, dont sont les Arabes les propriétaires des terrains, ça c'est différent. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Très bien. Donc, ça ne s'applique pas. Non, chez eux, ça serait différent. On aurait le droit de les consommer, par exemple. Voilà, oui, ça serait différent. Ça. Maintenant, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le gars. Alors, il faut le savoir que normalement, on avait une certaine certitude que habituellement, les gens, quoi qu'ils vendent comme marchandise, ils ont fait la terouma déjà. Parce que la terouma, selon la Torah, moi je vous ai dit un cinquantième, ça représente sur 100 kilos, 2 kilos. Mais en fait, selon la Torah, un grain. Pas de la dîme, je ne parle pas de la dîme. Dîme, c'est un dixième. Mais la terouma, le prélèvement Cohen, un grain aurait suffi pour tout. Et les chachamim vont dire, tu ne vas pas faire ton radin là. Tu donnes un minimum. Si tu es généreux, 1 sur 40. Tu es radin, 1 sur 60. Et si comme tout le monde, 1 sur 50. Ils ont donné un tarif. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, les gens faisaient la terouma. Habituellement. D'accord? Donc même si je m'achète, je sais que tu avais ton. Mais on avait un doute sur les gens qui sont ignorants Torah. Ignorant Torah. Et comme de manière majoritaire, les gens faisaient la terouma, mais il y avait un doute sur les gens qui étaient ignorants Torah, si j'achète de chez eux, s'ils l'ont fait, pas fait. Alors il fallait le refaire par doute, il faut le refaire. Comment on appelle cette chose, cette marchandise que j'ai achetée là? Comment j'appelle cette marchandise là? De maï. Da maï. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas l'identifier. Est-ce qu'il y a eu la terouma? Il n'y a pas eu la terouma. Et c'est ce fameux chose. Donc normalement, il faut faire la terouma. Si je l'ai mangé, est-ce que j'ai fait un interdit? Non, parce que habituellement, la majorité, c'est fait. Les haramis l'ont demandé de refaire par mesure de sécurité, de prévention. Mais sinon, normalement, c'est fait. Donc si quelqu'un a mangé ça, est-ce que c'est top de manger comme ça? C'est de la cachère, non? Il fallait le faire. Mais tu l'as mangé. J'ai mangé du pain fait à base de cette farine dont je n'ai pas refait le prélèvement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux m'associer aux immunes? Oui, tu peux t'associer aux immunes. C'est ce que la Mishnah nous dit. Tu peux t'associer aux immunes. Par exemple, on connaît cette phrase de Dmaï, vous la dites tous les Shabbats, le vendredi Shabbat. On dit Bamé Madlikin ou Bamé Madlikin. Vous savez, dans les Mishnayot que nous lisons, à un moment, on dit comme ça, on dit Isartem et Raftem Adlikutanek. Ça fait krashecha, ça fait krashecha. En ma'asim et avadai, aval ma'asim tademai. Quand Shabbat, pendant le Ben Hashmashot, pendant ce qu'on appelle le crépuscule, où c'est Shabbat, mais on est dans cette zone un peu grise, où la nuit n'est pas encore tombée, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire les prélèvements. Les prélèvements de quoi? De la terouma. Par contre, si c'est du dmaï, tu as le droit de le faire. Pourquoi? Étant donné qu'on ne le fait que par prévention, peut-être qu'il y a déjà eu une terouma qui a été faite dessus, donc on a le droit de le faire. Ou Marvin, Vetomni, Metachani. Vous voyez, on le dit. Vous voyez, c'est quoi le. Dans ce Shabbat, quand vous allez faire le Dmaï, vous allez vous rappeler ce que c'est, ce qu'on nous avait dit. Ok, Rabotai, on avance. Rav, oui. Rav, je ne veux pas vous couper la parole, mais c'est l'heure pour vous si vous devez aller voir votre femme. Kazakh. Oui. Kazakh. Hein? Il est 9h, oui.
Ouais. Et regardez, on ne voit pas le temps passer avec vous, Rabotaï. C'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Et avec toi, Rabbi. Et avec toi, c'est à vous. Le plaisir, c'est le nôtre. En tout cas, alors, Rabotaï, Mazal Tov pour le sium de titre, Ketsan Mevachim, et que les brachot, comme j'ai dit, ces brachot de toute étude, ainsi que tous ces tzadikim que nous avons cités, nommés, Etanaïm et Amoraïm, et Shonim, vous portent bonheur et que par leur mérite, vous garantissent Bezat Hashem Bracha et Hatzlacha. Voilà. Amen. Voilà. Alors, une bonne santé.